Et coucou, c'est les C'est les successeurs de successeurs. Disney. On se retrouve pour cette petite vidéo spéciale Halloween. Pour un petit fan art De Ishaya. Stephens. Voilà. Qui donc a fait. C'est un d'entre vous, il y a très longtemps, qui nous a proposé de faire ceci pour un Halloween, mais c'était Halloween dernier, donc la personne s'est peut-être désabonnée depuis le temps. Donc il me semble que c'est des personnages Disney qui sont déguisés Déguisé ou. en enfin, un fantôme ou en Donc on a. version peur, quoi. Alors nous avons Oh. Cruella en Lady Gaga. Ah non! Non, mais c'est dégueulasse. C'est en peau, c'est en viande de dalmatien. Ben oui, t'as les peaux au fond. Regarde, c'est dégueulasse. Ah ouais, sérieusement, Oh c'est. mon Dieu, que c'est crado. Sinon, y aurait pas ça, ça aurait fait classe, ça aurait fait comme Lady Gaga, quoi, tu vois. Ouais, Enfin, mais classe. une peau en viande. Une Une robe en peau de bête, mais Même pas en peau, en viande en de viande, bête. ouais. En tout Bonjour. cas, elle est très sexy, Oui, Cruella. voilà. Très très sexy. Oh, Aladdin. Aladdin, Sacha et Abou en Pikachu. Alors, c'est la grande mode en ce moment. Mais c'est vrai qu'il a un peu la tête de Sacha, du coup. Mais ça lui va bien. Ouais. C'est ça qui. Il a changé le Ouais, donc en fait, Samwell. c'est les personnages de Disney déguisés, pas Ouais, pas forcément un forcément truc qui fait Halloween, hein. peur, C'est pas. mais. Enfin, tu me diras, pour Halloween, les Américains, ils se déguisent bien n'importe quoi, finalement. Donc c'est toujours le même dessinateur, et même que ça va être que le même, donc La tête de il Abou, s'agit. franchement. Ouais, zoom. Ouais, regarde juste avec les deux petits yeux de Pikachu. Oh, il est chou. Oui. Suivant. Alice, c'est Alice. C'est Alice, mais alors en qui? Je ne sais pas. Oh, en Buffy. Ah oui, ah Je bien reconnais vu. le crucifix et le. Le pieu? Ouais. Bah, moi j'ai jamais vu. C'est ça, hein? Moi je te crois parce que Non? je trouvais personne, Ben. mais le crucifix et le pieu, Ça c'est très fait symbolique. Buffy, hein, non? Ouais, et puis le corps un peu plus adulte que la Alice normale, ouais. Putain. Il est sympa, Pardon. hein. C'est pas grave, hein. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Ariel en Black Widow, la veuve noire. Oui. Elle est classe. On dirait Lara Croft. Accroché à Par ça. contre, elle est accrochée juste comme ça. Ouais. Je sais pas comment elle tient. C'est qu'elle est en train de glisser. Bah ouais, je pense, parce que. Non, mais elle est classe, hein. Par contre, elle a des grosses fesses, je trouve. Je pense qu'elle a une Bah bonne culotte de cheval. c'est. Tiens, voilà, c'est vrai que là. Ouais, là, il doit y avoir des bourrelets, là, un peu quand même. On va dire que c'est après la naissance de Mélodie. Elle ne se laisse pas faire, la maman. Non. Oh! Oh! Oh, classe! Un petit mini bébé Maléfique! maléfique! Il me semble qu'elle est déguisée Je vois pas en quoi elle Je est. crois que c'est en une fille de Game of Thrones. Ah, qui est mais je regarde toujours pas avec. Game of Thrones, Moi donc non plus. forcément. Mais il me semble que c'est Daenerys ou Daenerys, je sais pas, mais je Mais crois que bébé maléfique, il est trop chou! Ouais, c'est grâce à ça, sinon j'aurais pas Bah ouais, reconnu. mon nom. Enfin. Là, j'aurais pas reconnu du tout. Non, mais pas du tout, non. Moi, je reconnais que Maléfique et Aurore, bien sûr. Sympa, sympa. Sympa. Ah! Pas mal ça. Fallait. Bah oui, remarque, c'est logique. La bête en Hulk. En fait, ils l'ont juste coloré. Bah ouais. Parce qu'il est à un moment, il a vraiment juste un short comme ça, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus. Un short, un pantalon déchiré. Oh, Mais c'est ouais, sympa. sympa. Excellent. Ah, ça lui va trop bien. C'est trop classe. Ça lui va trop bien. Donc c'est ben Belle en Hermione. Ah, c'est ça déchire. C'est trop bien. Les vieux sorts. Les Donc bah c'est cool en plus qu'ils aient pris Belle parce que avec le livre et tout. Vu que Belle aime les livres. Par contre, il y a un truc qui me perturbe. Ça fait une grosse main. Voilà, c'est différent parce que elle elle est plus pointe en vers nous. avant. Mais là, je sais pas. C'est Bon, vrai. voilà. C'est vrai que ça lui fait des gros doigts. Voilà, on critique pas, on serait Non, non, incapable non, de non, non, faire bien ça, sûr, bien attention. sûr. Mais c'est juste que c'est le truc, je vois deux gros doigts, là, ça me fait bizarre. Ah, c'est Charlotte De la princesse et princesse la de grenouille en Grenouille. Power Rangers. Et Force Rose, bien sûr. C'est bon. Ah, c'est excellent! Et non, franchement, c'est une super idée! Ouais, ça lui va trop C'est bien! trop classe! C'est trop bien, j'adore! Ça lui va trop bien! Ouais. Alors, donc, To Be Free, je sais pas! Je sais pas! C'est Eric! Bah, c'est Eric! Et qui est à côté? Je sais pas, à gauche, à droite, c'est peut-être Philippe? Je sais pas! Non! Non, en fait, ça doit être Eric, et peut-être avec deux personnages de pas Disney, parce que celui de gauche, je suis sûr de pas le connaître. Bah, moi non plus.
Et celui de droite, il pourrait me rappeler Philippe, mais... Mais même Philippe, il est pas brossé comme ça. Non, 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 mais c'est pour ça que je te dis, ouais. Il me fait penser à Philippe, mais... Peut-être. Et de quelle série? Peut-être, bah alors... peut-être Grimm, je sais pas, j'ai vu un seul épisode de Grimm, je sais que c'est des enquêteurs. C'est bien Grimm, mais... Je sais que c'est des enquêteurs, comme ça. Dites-nous en commentaire, là je sais. Pas, je te cherchais mais tout biffu, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, Cendrillon, hein, je ne connais pas. Alors, je pense que l'arme qu'elle a, c'est... Oh, c'est pas Scooby-Doo? J'ai cru que t'étais en train d'imiter Marin. Haru, Becky. Becky, Becky, Haru, Haru, Becky, Haru, Haru. Non, je vois pas du tout qui c'est. Non, c'est pas Scooby-Doo? Bah, je vois pas dans Scooby-Doo avec des armes, en fait. Moi non plus, c'est vrai. C'est pour ça. Pareil, dites-nous si vous voyez, ça doit venir d'une série, parce qu'il y a beaucoup de séries. Donc, C'est marqué quoi sur son t-shirt? Quand Alf Blood. Dites-nous. C'est les scouts. Vous qui êtes plus jeunes que nous, peut-être. Ouais, mais je connais. Ah, ça, c'est Walking Dead. Esmeralda. Esmeralda en Walking Dead. En Mission de Walking Dead. Mais toi, tu regardes pas. Non, mais j'ai déjà entendu parler d'une Mission. Ouais, et bah ça lui va très bien parce que Mission, elle est black. Du coup, voilà. Bah, elle est plus black. Esmeralda est bronzée. D'ailleurs, là, son épée est trop grosse pour son fourreau. Elle rentre pas. Non, mais c'est bien... C'est bien fait. Ouais. C'est Retour vers le futur. Oh, doc. J'ai reconnu. J'ai reconnu. Aussi. Heureusement qu'il y a le... Story. Overboard. Mais heureusement parce que il y aurait pas eu l'overboard. C'est qui le mec? C'est le copain de réponse. Ah bon? Bah oui, avec son nez. Maximus ah, le oui, cheval. Ça y est. Qui est en doc d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'imagines faire Marty. Marty, nous tu as grossi mon partir vers le futur. Maximus Marty. Monte sur moi. Tu... Il faut atteindre les 80 miles à l'heure. Ah, d'accord, ok. Il est pas mal. Bah, Eugène. Bah oui. C'est ça. C'est ça. Non, pour revenir. Tu peux rigoler que. Donc, ses réponses. Bah, enfin. Flynn Rider. Voilà, Flynn Rider. Pas mal. Mais pourquoi Doc en cheval? Ah, là, c'est Scooby-Doo. Ah, oui, bah tout à fait. Et c'est qui? Je pense que c'est Gisèle. Ah oui, mais je l'oublie tout le temps celle-là. Moi. Je sais parce que j'ai monté ce matin même des vidéos fanart et tu sais qui. Ah oui. Eh oui, oui, oui. Non, mais j'ai adoré ce film, mais je l'oublie tout le temps, Gisèle, la pauvre. Elle est tellement. Ouais. Oh, rideau, j'ai manqué une robe. Mais est-ce que ça serait Scooby-Doo ou est-ce qu'il y a une magie dans la main? Ah non, ça doit être une lampe torche. Ouais, ouais, ouais. Elle a, tu sais, elle tient sa main comme ça avec la lampe. Je... Par contre, je comprends pas ce qu'elle fait avec sa main derrière. C'est pas. Elle est classe. Ouais. Je prends la pause. Ça, c'est excellent. Oh mon dieu. Regarde Diego. J'ai fait un Jackson. Oh, oui. Ah non, et celui-là, il est trop fort. Et remarque, à chaque fois qu'il y a Jafar quelque part, c'est toujours... Ah non, mais le mec, quoi, je lui aurais trop mis un cigare dans la bouche. Ah non, mais... Mais Yago, en petit détail qui tue, comme il est super non, mais bien il fait, est, Yago. Il est excellent. Celui-là, c'est mon préféré depuis le début. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Jafar Jackson. Ah, Jane en Lara Croft. Ah, classe. Très bonne idée. Alors, je pense que c'était le personnage qui va... Dans... C'est un truc de fou. Qui va le mieux. Ce dessinateur, ou c'est dessiné, je pense que c'est un Ishaya, ça me fait plus penser à un homme, mais peut-être que c'est une peut-être femme. Peut-être que c'est une femme, je ne sais pas. Mais classe, hein, celui-là... En fait, celui d'avant est trop rigolo, mais celui-là est vraiment, vraiment bien pensé. Ouais. C'est le personnage qu'il fallait mettre. Mm. Ah, là aussi. Bah oui. Ça s'appelle Chun-Li? Non. Si. Enfin bref, dans le jeu vidéo... Street Fighter. La chinoise. Voilà, qui se bat, super, enfin qui est génial. Enfin, Jasmine va bien dans son rôle. Bah ouais, du coup. Suivant. C'est pas... comment... C'est quoi ce dessin animé, là? Ah, c'est... Le beau gosse, là, tu sais. Avec une immense... Oui. J'ai oublié. Qui se recoiffe tout le temps. Cool, bravo, un truc comme ça, je sais plus son nom. Mais je reconnais pas le personnage, oui, par contre. C'est oui. Pas... Est-ce que c'est John Smith? Oh mon dieu! Oh mon dieu, le cul! Oh, c'est quoi ces petites fesses? Ta
Johnny Bravo, non? Johnny Bravo, oui. Bah John Smith. Bravo. Oh, bah bravo. Toute ma vie, je donne dans cette terre de coca. Ah non. Mais même il a une position une bizarre. Une terre que l'on gagne. Pardon. Ah bah je comprends pourquoi mon pantalon s'est craqué, hein, parce que... On dirait pas comme ça dans son petit pantalon, mais là, avec le jean, wouh. Suivant. Ah. Ah, oh, c'est Tornade en... Kida. Kida. Enfin, Kida. Kida en Tornade. Putain. Classe, bien aussi, bien pensé. Non mais la personne, elle a trouvé les personnages, ouais. Quoi, je sais pas. Je pense qu'il est parti de personnages de Disney et qu'il s'est dit en quoi est-ce que je le vois le mieux, en comment est-ce qu'il se déguiserait. Okay. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec Halloween, en fait. Ah oui, oui, c'est juste... Pour en revenir à là. On part dans le délire qu'ils sont juste déguisés. C'est ça. Mmh. C'est pas le surfeur de quelque chose? Non. Enfin, c'est Chang. Après, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Mais qui donne des coups de pied en feu. Non, là, je sais pas. C'est pas inspiré d'un jeu vidéo ou quelque chose? Street Fighter, encore une fois, non? Avec une grande écharpe comme ça. Je reconnais pas. Dites-nous dans les commentaires. Tu sais, il y avait Monsieur Bison dans Street Fighter. Mmh. Il avait une grande écharpe aussi. Ah oui, tu sais, il était chiant lui à battre. C'est, bah, c'était le boss d'ailleurs. J'essaie. Ouais, il aurait peut-être mis un chapeau quand même, non? Il n'y a pas un chapeau. Ah, il avait peut-être un petit képi. Ouais, il me semble que c'est ça. Ah, dites-nous, oui. Hein, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé non, pour alors, Cendrillon, pour oui, notre Cendrillon, et oui. Pour lui du coup. C'est pas Cendrillon, c'était Aurore. Aurore et Cendrillon. Il y avait coup, Cendrillon, je m'en rappelle même plus. Ouais, Cendrillon, c'est avec le truc avec le cheval dessus, non? Donc, ah oui, oui, tout à fait. Bah, vous nous direz. Megara en Catwoman. Eh, classe. Elle est sexy, la fille, hein. De toute façon, Megara, elle est... Ah bah, dans le genre sexy, je sais pas ce qu'il te fait. Non, bah, ça colle bien. C'est le cas de le dire. Mais les gens, ils vont dire, princesse, mais on te découvre à chaque vidéo. Ça colle bien. Non, mais là, on se tape des fous rires depuis tout à l'heure, donc... On a tourné juste avant un c'est zoom. C'est parti, là. Wouh. Génial, en tout cas. C'est Mérida. Mais je sais pas en quoi. Pourtant, je Malicia connais ce costume. De X-Men. Ah, bah oui, tiens. Avec ah, bah oui, avec sa cheveux blancs. Ouais, pourquoi pas. Mais j'aime pas trop la position dans laquelle elle est. Non, c'est bizarre, c'est Jigglypuff. C'est un peu posture de Girls Band. Bah, crois. C'est ça, ouais. La position dérange en fait. Le Docteur Who. Docteur Who, et c'est. J'oublie tout le temps son nom, Arthur, le pauvre. Non. Jim. Non, non, Jim, c'est dans la planète Trésor. Comment il s'appelle? C'est Arthur? Non, lui, c'est le. Dans l'Atlantide. Oui, 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 je sais. Non, c'est pas Arthur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Arthur. On va encore se faire engueuler. Vous Monsieur... connaissez pas J'oublie son nom. Monsieur Floyd. Monsieur... Alors que Kida, on l'oublie pas. Le Monsieur... petit Intello dans l'Atlantide. Allez-y, Monsieur... engueulez-nous, engueulez-nous. Tu sais, dans la bande-annonce du film, elle dit Monsieur. La blondasse là. Je sais plus comment ça s'appelle. La blondasse. Ah ben je sais plus. Oh Mulan. Oh Mulan en Xena. Classe. Oh c'est déchire, ça lui va super ouais. Bien. Avec le chakram que j'ai dans mon salon. Oui. Non là c'est nickel. T'imagines pas Saphira sérieusement avec ouais, franchement ouais. C'est un truc malade hein. Il va y avoir des montages qui vont être faits. Non non nickel, ça lui va bien. Classe. Non, bon! Attends, c'est Jack Sparrow, mais c'est qui? Navin? Oui, je crois. Peut-être le mec c'est d'El Dorado. Jafar, quand même. Non, 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 on a vu comment il dessinait Jafar. Peut-être Navin. Non, je dirais Navin, ouais. Ouais, Navin, je pense. Donc ça lui va bien. Bah ouais, ouais. Peter Pan. Peter Pan en Link. C'est excellent. Et ça lui va vachement bah oui, bien. Bah oui, il est tout petit, c'est pareil! Non, il est cool. Il est cool. Après, il est peut-être un peu plus sombre au niveau des couleurs, je sais pas. J'ai l'impression que ça me fait. Ça lui va bien. Oh, Pocahontas c'est Hunger Games. Katniss Everdeen. Elle est classe. Ouais. Ça lui va bien aussi. Bah ouais. Nickel, y a rien de. Elle j'en a même les ongles. Oh, Indiana Jones. Bah là, c'est Philippe. Là, c'est Philippe, c'est sûr. Elle est classe. Sexy Philippe. Philippe, où es-tu? Ouais, je l'aime bien celui-là. Ouais, il est classe, il est bien proportionné, bien, les il prend bien l'espace, ouais. Tout bien. Le fouet et tout. Le fouet et tout. Oh mon dieu. Oh non. Pas quasiment toi. Non
Non mais regarde les lunettes. C'est pas un honneur, ça. Alors c'est Quasimodo et je vois en quoi il est déguisé, mais je connais pas le film, je connais même pas le nom du personnage. C'est un mec hyper connu avec bah exactement cette tronche. Bah c'est pas Igor de dans Frankenstein par exemple, un truc comme ça. Non non non, c'est un film très bizarre que je sais pas, je suis tombé dessus par hasard à la télé, j'ai regardé que 2 minutes parce que j'ai trouvé ça trop malsain. Après peut-être que c'est un film génial, ça semble un peu humoristique et c'est un mec qui est un peu comme ça. Enfin voilà. Rien de spécial à dire parce que je connais pas ton film. Réponse. Bah oui, les grands cheveux. En Sailor Moon. Mon Dieu. Parce qu'elle doit avoir pris la forme d'une petite mascotte de Sailor Moon, je suppose. Ouais. Pas mal. Ah, oh, c'est Sally. Mais en quoi? Le réflexe. Ah bah je sais pas là en quoi. Pourtant je connais ce machin là. Moi aussi, cette forme. C'est là. Pas si c'est la méchante reine de Blanche-Neige. Elle ne vole pas. Bah je sais pas. Mais en tout cas la cape pourrait y faire penser. Moi c'est les diamants qui me font penser. Pareil, dites-nous, ça doit être quelque chose, je sais pas, je sens bien. Moi je dirais la méchante reine, mais je sais pas. Moi je sens bien dans un truc de héros, genre X-Men, tout ça. Et elle a des couleurs, hein, rouge, jaune, bleu. Ouais. En Wonder Woman. Classe. Le fouet en or. Elle rigole pas, hein, ça doit être la première princesse, méfiez-vous. Oh non, on dirait Amy Winehouse. Bah oui. C'est Amy Winehouse. Et c'est qui? Megara? Non, non, c'est pas Megara. Ça me fait penser peut-être à la blonde dans Atlantide, mais alors là, non, je vois pas qui c'est. Ah, mais si, c'est elle. T'as raison, il y a le grain de beauté. Ça doit être elle en Amy Winehouse. Elle a vraiment des robes comme ça. Les bah. Tatouages et tout m'y feraient penser, hein. Bah, c'est sûr, c'est Amy Winehouse. Mais après, qui c'est le personnage de dessous? Je ne sais pas. Dites-nous. Bah, c'est la blondasse, on va dire. Moi, je vois bien. Hein? Attends. Tiana. On a un personnage peut-être des maîtres de l'air, d'Avatar, je sais pas. C'est Tiana, mais je ne connais pas le personnage qu'elle interprète, ça j'en suis sûr. Ça me parle aussi, mais je ne connais pas. Clochette en Kill Bill. C'est excellent. Ça fait bizarre de la voir tout en jaune et pas en vert. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu comprends pourquoi ils ont mis deux couleurs. Ils auraient dû mettre des petites moumoutes sur les pantoufles. Ouais. Ça aurait été le détail. En tout cas, les personnages de Disney sont bien pour faire Halloween. Non. Non. C'est Beyoncé. I'm a single lady. I'm a single lady. Avec... Ah bah là, elle a la même manche, hein. Avec Flotsam et Jetsam. Ah lui, il est nickel il aussi. Il est classe. Ah ouais, mais sérieusement. Et sérieusement, tu vois pas une belle pochette d'album comme ça? Si, si. Comment faire l'album de Beyoncé? Ah, il est génial. Il est génial. Ils l'ont fait ronde pareil, mais sans que ce soit bourrelé. Enfin, il est nickel. Ah, c'est Wendy. Wendy qu'on ne voit pas souvent. Non. Et Wendy en du coup en princesse Leia. Les gars avec un pistolet qui est trois fois. Non, mais cet épisode vachement long. Je pensais qu'il passerait plus vite. Ouais. On est désolé pour ceux qui voulaient une vidéo courte. Ça se fait. 18 minutes? Oh, on est désolé, hein. Oh. On râle. Mais c'est oui. Oh, mais... la tête. Non, mais c'est le personnage idéal. Non, mais il est ce avec personnage. Les chats derrière. Ils auraient dû mettre des poissons. Ouais. Flotsam et Jetsam encore. Ah, c'est nickel. Il va... Excellent. Ils sont inspirés d'Ursula pour... Ah bah voilà. Quel a été ton préféré, toi? Ah, franchement, il y en a plein, c'est dur. Hein. Moi, Ursula et Jafar m'ont plus marqué. Ouais, déjà, Ursula et Jafar. J'ai bien aimé le Lara Croft. Ouais, aussi. Et le Indiana Jones. Donc voilà, dites-nous votre préféré dans les commentaires. Et on se retrouve pour un nouveau fanart bientôt. Donc on tourne cet épisode, d'ailleurs, au moment où on s'est décidé de bien arrêter tout ce qui était... Quasiment arrêté, ouverture de courrier, fanart, blind test, ou peut-être que. Des blind tests, peut-être qu'on continuera, mais sous un autre. Format. Sous un autre format, ouais. Voilà. Donc la chaîne, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, va sûrement beaucoup plus se concentrer sur les fanarts et donc les Disney épisodes. Et toujours les zooms les vendredis. Salut! Je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook.